Dimanche, le Real Madrid a confirmé son très bon début de saison en s'imposant face à la Real Sociedad. Pourtant mené au score d'entrée de jeu, les Merengues n'ont rien lâché. Comme pour le dossier Kylian Mbappé. Mais outre le génie de Bondy, un autre joueur du Paris Saint-Germain intéresse la Casablanca. D'après Defensa Centrale, il s'agit de Nuno Mendes. Le Portugais, souvent blessé certes, et très souvent, étincelant quand il est à 100%. Le média espagnol révèle que ce dernier est suivi de près par Juni Calafa, recruteur renommé du Real Madrid, qui le scrute depuis le Sporting Lisbonne. À l'époque déjà, Florentino Pérez avait donné son accord pour faire venir Nuno Mendes au club avant que le PSG ne mette le pactole pour l'enrôler. Mais les Madrilènes pourraient revenir à la charge à l'avenir, eux qui doivent se renforcer sur les couloirs défensifs notamment à gauche, où Ferland Mendy n'a jamais fait l'unanimité. Libre depuis son départ du Real Madrid, Eden Hazard intéresse un nouveau club. Les trois frères Hazard bientôt en Jupiler League. Voici ce dont rêve la presse belge. Et pas seulement. C'est une idée qui plaît aussi à Kylian, 28 ans, joueur de Molenbeek, et Torgan, 30 ans, qui a récemment posé ses valises à Anderlecht. Leur frère aîné, Eden, 32 ans, pourrait aussi revenir au pays. C'est ce qu'expliquait ce mardi matin. En effet, le quotidien espagnol indique qu'un club belge tente le coup pour recruter l'ancienne star de Chelsea. Libre, Eden Hazard peut encore rejoindre une écurie. Ce, même si le mercato est fermé dans de nombreux pays. Ainsi, c'est l'Union Saint-Gilloise qui fait le forcing pour l'enrôler. Des bruits de couloir avaient récemment circulé sur le sujet. Cette fois-ci, AS assure qu'une offre a été faite à l'ancien international belge. Pour le moment, il aurait refusé, puisqu'il se sent bien à Madrid, tout comme sa famille. Mais le quotidien ibérique explique qu'il n'est pas impossible que l'US réussisse à le convaincre. L'idée d'évoluer dans son pays, et dans la même ville, que ses deux frères, ne serait pas pour lui déplaire. Ce serait un coup tout simplement exceptionnel pour l'US. Récemment questionné sur le sujet, Eden Hazard avait confié sur le ton de l'humour. Franchement, pour le fun, ce serait bien, je viens la première semaine pour affronter Anderlecht et la deuxième contre RWDM. Malgré cela, son idée est toujours de ne pas reprendre du service pour le moment, comme expliqué à plusieurs reprises sur notre site. D'ailleurs, ses dernières déclarations, faites lors de la série documentaire Belieuve, vont dans ce sens. Petit à petit, il est temps de profiter de la vie, avec ma famille et mes amis. Boire quelques bières jupilées. Je serai toujours fan des Diables Rouges, de Belgique, et du beau football. J'ai toujours porté ce brassard de capitaine avec beaucoup d'honneur. L'US espère le convaincre, lui qui a déjà dit non à l'Arabie Saoudite, la MLS, la Turquie ou encore la Ligue 1.